Capitaine, vous êtes là? C'est Corso. On a des problèmes au hangar. Mon vaisseau n'a rien? Pour l'instant, non. Mais ça risque de ne pas durer. Les séparatistes envahissent le hangar. On leur a préparé un petit comité d'accueil, mais un coup de main serait pas de refus. Scarac, viens ici! Aide-moi à fermer la porte du hangar! Scarac! Mais qu'est-ce que... Content de vous revoir en un seul morceau. Mon équipe et moi, on a une dette envers vous. Grâce à vous, on peut contourner l'interférence des séparatistes. On va bientôt pouvoir faire notre rapport à la base. Tenez, un petit quelque chose qui vient de notre réserve personnelle. Faites attention à vous. Thank you.
Ah, j'ai l'impression qu'un Gundark s'est servi de ma tête pour jouer du tam-tam. Merci de m'avoir sauvé la vie, capitaine. Skavak a aidé ces séparatistes à venir ici. Il nous a poignardés dans le dos. A volé mon vaisseau. Il a aussi pris toutes les armes. Lui et les séparatistes ont dû organiser ça depuis longtemps. Attendez. Où est Torchy ? C'est pas vrai ! Skavak a volé mon blaster ! Torchy est un véritable Blastec ALT-25 avec plaque d'adhésion magnatomique et télémètre à fixation latérale. Skavak ne le mérite pas. Je suis surprise que Skavak n'ait pas volé tout le hangar. Il va pas s'en sortir comme ça. Allez, allez ! Tu vas marcher, saleté ! Oh, que se passe-t-il, Corso ? Je t'ai blessé ? Estime-toi heureux d'être en vie, petit. Tu sais à qui tu t'en prends ? Qu'est-ce qui te fait croire que ça m'intéresse ? Au nom des glorieux combattants de la liberté d'Ormantel, je tiens à te remercier pour les blasters, le vaisseau et pour cette partie de rigolade. Bonne journée. Allez, laisse-moi au moins te faire une meilleure offre. C'est inutile. Il a coupé le canal de communication. Il a toujours été doué pour les sorties. Skavak m'a volé mon meilleur blaster, mais j'imagine que c'est pas aussi grave que de perdre son vaisseau. Je compatis, capitaine. Écoutez, Skavak et moi, on travaillait pour un type du nom de Vidou. Quand il apprendra que Skavak est un séparatiste, il voudra se venger, comme vous. Rendez-vous service et allez parler à Vidou à Fort Garnick. Je vous assure qu'il vous aidera à récupérer votre vaisseau. C'est qui exactement ce mystérieux chef ? En quoi peut-il m'aider ? Vidou est le roi des chargements. Tous les chargements qui arrivent sur Ormantel passent par lui. Vidou est un type intelligent qui a beaucoup de relations. Si quelqu'un peut trouver votre vaisseau, c'est bien lui. Je dois fermer ce hangar à clé. Mais je vais envoyer un hologramme à Vidou pour lui dire ce qui se passe. Fort Garnick n'est pas très loin. Je vous y verrai bientôt, vous et Vidou, capitaine.
Enchanté. Soldat Wessner, 3e patrouille de reconnaissance de Fort Garnick. Méfiez-vous. Les séparatistes ont déployé des tireurs dans cette zone la semaine dernière. De bons tireurs. Il y a eu plein de victimes entre ici et Fort Garnick. Ces séparatistes tirent sur tout. Quelles sont leurs cibles? Les soldats, les véhicules, les civils. Surtout les réfugiés venant de tous les campements déchirés par la guerre. Ils traversent la zone en allant au camp de réfugiés devant Fort Garnick. Boum! Le sniper fait mouche. Je peux éventuellement faire quelque chose. On accepte toutes les gâchettes qu'on peut trouver. Fort Garnick veut que ses tireurs se replient le plus tôt possible. Le commandant Vray a même offert une semaine de solde à quiconque s'en chargera. Ça vaut le coup d'essayer. Je vais regarder ça avec beaucoup de plaisir, madame. Si vous éliminez les tireurs, informez-en le commandant Vray au camp de réfugiés devant Fort Garnick. Bonne chasse.
kanaya nukan, kinyim naya lak umnug mege. Manalang yang perlu, amka kalami naya kira lebua. Kara ini, anikag nikag, kinya kak anak wamjam. Bienvenue, capitaine. Je suis Bidou. Corso m'a dit que vous aviez eu une dure journée. Vous voulez un verre? Pour vous remettre de vos émotions? Je porte un toast à mes plus grands plaisirs. La plus belle collection d'œuvres d'art et de boissons exotiques de tout le système. Et ces fichus séparatistes qui ont tout brisé. Entre eux et ce sale traître de Skavac. Je suis complètement ruiné. Les blasters que Skavac a volés dans votre vaisseau appartiennent à Rogun le boucher. Et comme employeur, c'est pas quelqu'un de commode. Il peut rien m'arriver de pire que de perdre mon vaisseau. Même pas être jeté en pâture à des rawamp, un orteil à la fois. On pourrait remplir des cargos entiers avec les corps de ses victimes. Et vous et moi, on l'a escroqué. Rogun a acheté ses blasters pour protéger son commerce des séparatistes. Quand il découvrira ce qui s'est passé, il aura des envies de meurtre. Le seul moyen de s'en sortir vivant, c'est de retrouver Skavac, votre vaisseau et les blasters volés. Je sais où on pourrait commencer à chercher Skavac. Je connais un gars, Reki. C'est un expert en séparatistes. Le problème, c'est que Reki est bloqué derrière un barrage de la République. Les troupes encerclent le village pour y contenir les séparatistes. Comment les séparatistes ont pu prendre le contrôle de tout un village? Ils ont des sympathisants absolument partout. Ils les aident à garder les villages qu'ils ont renversés. Des traîtres. Je m'entends bien avec le commandant de la République à la tête du barrage. Je peux vous faire passer sans problème. Mais il y a un prix pour ce droit d'entrée. Il faudra abattre quelques séparatistes afin de prouver votre loyauté. Ça vous va? Qu'est-ce que je vais prouver en tuant des séparatistes? Que vous n'êtes pas des leurs. La République ne laisserait jamais sortir le moindre sympathisant. Le village où se trouverait qui subit une pénurie de vivres à cause du barrage de la République. Et ça empire de jour en jour. Je vais élaborer un kit de survie. Vous le ferez passer à Reki et il vous en dira plus sur Skavac. Reki est dans une planque du village de Talleyrand. Je le contacterai pour le prévenir de votre arrivée.
Soldat ! Soldat ! Oh, vous êtes une civile. Mais j'accepte toute l'aide que je peux trouver si vous avez envie de travailler. Tout va bien ? On dirait qu'il y a un problème. Un de mes gars a piqué du nez la nuit dernière pendant qu'il était de garde. Et la réserve de médicaments du fort a été volée. Si on ne récupère pas ces médicaments, de bons soldats de la République vont quitter Ornementel dans des housses mortuaires. Je n'échouerai pas, je le jure. Dormeur dit qu'il s'est réveillé quand la voleuse s'est enfuie. Il l'a seulement vue de dos, mais elle ressemblait à une cathare. Les cathares sont des aliens, des humanoïdes à l'allure féline qui vivaient tout près. Certains ont été chassés de chez eux à cause des combats. Il faudrait commencer par le camp de réfugiés. Faites vite. La vie de bons soldats dépend de ces médicaments. Pardon, Risso. Je n'ai pas de médicaments pour toi aujourd'hui. Oh, j'ai mal. Je sais, mais je ne peux rien faire pour l'instant. Je suis désolée, mon cœur. Bonjour. Je ne voulais pas vous ignorer, mais c'est de la folie ici. Qu'est-ce qui vous amène au camp ? Quelqu'un a volé des médicaments. Je cherche la voleuse. Ah, ça doit être le garde endormi qui vous envoie. Oui, j'ai vu le garde dormir à son poste, alors j'ai pris les médicaments. Inutile de le nier. Vous voyez, j'ai pris les médicaments pour aider les réfugiés. Ils sont de plus en plus nombreux à mourir chaque jour. La République ne veut rien faire. Alors quand j'ai vu que le garde dormait, je me suis servi. Mais ensuite, les séparatistes m'ont pris les médicaments. Ce sont eux qui les ont maintenant, pas nous. Voici le marché. Vous acceptez de me rapporter le ravitaillement pour que je puisse le donner aux réfugiés et je vous dis où sont allés les séparatistes. À moins que vous ne préfériez que les séparatistes gardent les médicaments. Je gagne quoi ? Si je pouvais vous payer pour récupérer les médicaments, je ne les aurais jamais volés. J'en ai assez d'être menacée parce que je n'ai pas d'armes. Si la guerre ne fait pas fuir les gens, ce sont les soldats qui viennent leur soutirer de l'argent. Parfois, en venant ici, une personne se fait chasser pour se faire voler. Ils disent « taxer ». Mais ils ne souffriront pas du manque de médicaments. Pas si je peux y remédier. Je vais vous apporter les médicaments. Pardon de vous faire culpabiliser, mais j'espère que vous comprenez que vous faites ce qui est juste. Risso, lui, vous en sera reconnaissant. Les séparatistes sont allés au village de Talaurent. Faites vite, certaines personnes sont dans un état très grave. Courage, je reviendrai bientôt. Très bien, j'attends votre retour. Merci.